quand il y a eu cet accident, nous on ne connaissait pas Pauline. Ah, ok. Et quand on devait déménager dans le sud de la France, on est venu à Lyon juste pendant un mois pour pouvoir finir l'école qui était juste à côté, au cours d'Yo. Et quand il y a eu cet accident, nous, on était tout le temps à l'hôpital pour veiller Méline. Et c'est une femme qui a fait la neuvaine, qui a demandé à faire la neuvaine pour Pauline Jaricot. Mmh. Donc nous, on était à l'hôpital tous les jours. On ne connaissait pas du tout Pauline. On a vu, nous deux, avec Nathalie, le moment où ça a basculé complètement, que c'est revenu. On disait souvent, vous savez, on a l'impression de faire sur un interrupteur on-off. Donc nous, on se disait toujours, c'est un miracle. Et vous savez, alors je ne sais pas si c'est pareil en Italie, mais en France, on disait, c'est un miracle. Comme si c'était une expression, il n'y a pas... une vraie signification à l'intérieur. Et nous, on le savait. Oui. Et après, les gens disaient, c'est un miracle. On dit, vous pensez ce que vous voulez. Mm. Moi, je sais ce qui s'est passé.